Et bonjour tout le monde, c'est Asgard. J'espère que vous allez bien. De retour dans une nouvelle vidéo de Planète Crafter. On vient de passer l'étape des arbres. Direction l'étape des insectes. Ça va être extraordinaire. On a bien avancé. Et la découverte est extraordinaire. J'irai plus tard durant ce stream dans la grotte d'Iridium. Il y a une liane qui monte vers des arbres. On ira découvrir ce biome qu'on a un peu prédécouvert. Enfin, la fin de la vidéo passée, mais maintenant les arbres sont... c'est terminé. L'étape des arbres est terminée, donc peut-être qu'il va y avoir des choses intéressantes à voir là-haut. Mais avant tout, une invention très importante. Voici le filtre air. Un tissu, deux pépites de bioplastique, une cartouche de méthane, un osmium et un super alliage réduit la consommation d'oxygène en fonction du niveau de terraformation. Ça serait tellement bien et on serait tellement à l'aise. Et en plus, je vais enfin pouvoir utiliser le tissu. C'est vous dire à quel point c'est important. Il manque un truc. Un osmium. Voilà. Voilà le craft. Donc, on va pouvoir le mettre ici. Regardez-moi ça, moins 1,9 par seconde. On a maintenant une petite indication supplémentaire en bas. Ok. Si je le range. Ouais, je sais pas si ça descend plus vite ou pas. Je sais pas si ça s'améliore. Faudra peut-être améliorer le niveau de terraformation pour ça. À voir. On va boire un peu d'eau. Et on va aller voir ce qu'il y a en haut, du côté des arbres. Comme ça, on en profitera encore pour faire le... le tri dans les extracteurs de minerais, notamment celui-là. Ok, pas mal de soufre. Okay, je vais prendre tout le soufre avec moi. Le cobalt aussi, même si j'ai peut-être un peu moins besoin d'oxygène. Encore que, je suis pas certain. Mais donc, pas de métaux, si l'aluminium hein, dans l'extracteur de minerais, ça va être un des prochains objectifs. Il va falloir trouver la place. Il va falloir trouver un endroit où il pourrait y en avoir. Alors montons ici. Qu'est-ce qu'on a là? C'est vide. Voici un biome avec des arbres. Leurs zéolites, je prends. Je sais pas où vont apparaître les premières larves au fait. Je sais que ça va commencer par des larves parce que je me suis renseigné sur les insectes. Producteur alimentaire T2. Alors pourquoi je me suis renseigné sur les insectes? Bah tout simplement parce que je suis un peu arachnophobe. Alors je sais que l'araignée n'est pas un insecte, mais tout ce qui ressemble à des araignées dans les insectes. Alors les alimentés de je note. Il y aura l'exo T3 qui me serait utile aussi. L'exosquelette. Alors c'est pas mal ce qu'il y a là par contre. C'est vraiment pas mal, c'est un peu dommage que je me sois chargé de tout ce soufre. Je vais en laisser ici, je pense honnêtement que c'est pas grave. Bon, écorce d'arbre, j'ai pas besoin. L'engrais, je prends. Ça, je prends pas. On sait que j'ai du soufre ici, si jamais j'en manque. Zéolite, par contre, ça peut être utile. Encore un coffre. Voilà, il y a trop de choses. Ok, on fait un aller-retour. Et on revient. Ah ouais, on va faire un aller-retour et on va revenir. Pour vous sur YouTube, ça va aller très 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 vite. Mais voilà, je préfère pas bâcler la visite. Ok, voilà, aller-retour terminé. On continue. Je vous avais dit que sur YouTube, ça irait plus vite. Faut que je regarde, hein, parce que je sais pas s'il y a des choses que je peux prendre ou pas. Ça, il faut que je prenne. Je vais même prendre les graines. Et je vais réaménager un peu la partie jardin, en tout cas au niveau
au niveau craft. Ici, là, il n'y a rien. Ici, c'est juste une superbe vue. Okay, qu'on connaît déjà. Ouais, au fait, j'étais peut-être pas obligé de faire l'aller-retour. Parce qu'à mon avis, je suis tombé sur le seul endroit un peu exploré, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. Ce coffre-là. Ah, une puce. Incroyable. Ok. Je sais pas s'il y a de nombreux endroits comme ça ou pas. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. Ça peut pas être le fruit du hasard si je n'en vois qu'un. Ici. Je vais peut-être prendre tout le fer. Parce que je vais... Je me demande même si je vais pas rajouter... Enfin, je vais prendre du fer. Je me demande même si je vais pas rajouter dans ma base un petit coin... petite case entrepôt. Juste pour tout ce qui est graines et compagnie. On va voir. Ou alors j'ai l'entrepôt habituel. Hein. Si on va faire ça. L'engrais, on va tout ranger là. Je vais mettre un casier. Donc là, j'aurais voulu mettre l'échelle si jamais je devais aller sur le toit. Pour un autre entrepôt. Mais elle passera pas là. Après, on n'y est pas encore. Hein. Hop, là donc ça va être quoi là? Graines, mitre végétaux, on va mettre. Et donc ça on peut mettre. On va aller voir ce que la puce nous réserve. Le quartz pulsé, pour le moment on le met là avec ça. Les moteurs, j'en ai là. Bon, échantillon de bactéries, on verra bien. L'engrais, on peut mettre ça là. Ok, pour le moment, je vais garder ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, mon dieu. Le GPS T4. On ira voir ce qu'il faut pour le débloquer. Je vais faire pas mal de petites choses là. Maintenant que j'ai récupéré pas mal de super barres d'alliage, j'aimerais bien faire l'exosquelette T4 ou T3 avec deux osmiums, une barre d'aluminium. J'ai plus beaucoup d'osmium, hein. Ce sont mes deux derniers. Donc l'osmium, faudra absolument que je récupère ça. Vraiment osmium et aluminium, ça c'est indispensable. Mais je vais le faire. Je risque d'en avoir besoin et de me dire à un moment, mais c'est plus possible. La barre d'aluminium. Et super barre d'alliage, je pense que j'en ai une. Alors il va falloir enlever des choses par contre. Exosquelette T2. Squelette T3 et on récupère tout. Ok. Hop. Voilà, faisons ça comme ça. Ça c'est ok. Alors nourriture. En même temps nourriture c'est graines. Partie nourriture, ça peut aller là. Peut-être faire un peu le tri avec voilà, ces graines là, c'est peut-être pas nécessaire. Ça c'est pas pour la nourriture, c'est au cas où on a besoin un jour. Mais les graines elles peuvent aller là aussi. Ouais, donc j'ai... Ok, et l'explosif dans divers, je crois que ça fonctionne. Bon. Un peu soif.
Ok, et un peu de nourriture. J'aimerais envie de voir le producteur alimentaire niveau 2 aussi. Regardons. Ça pousse plus vite. Mais ça consomme plus, non? Honnêtement, est-ce que j'en ai besoin? Si un jour je dois faire pousser pas mal de choses, je l'utiliserai. Mais donc pour le moment j'ai pas besoin. Fusion nucléaire j'ai pas besoin. Alors allons voir le GPS niveau 4. Sinon on va rechercher d'autres arbres. Après on va à partir en vadrouille. Il y a certainement de très belles choses à voir. Et notamment cette zone au nord que je voulais absolument explorer. Je sais pas quand vont apparaître les premiers insectes aussi. Ah oui, circuit imprimé, ça par contre j'ai pas encore. Le GPS T4. Le T4 c'est deux circuits imprimés, un moteur fusée, deux tiges de super alliage et une boussole. Donc ça forcément il faudra le faire, mais pas tout de suite. Des fleurs partout, 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 partout. On va continuer l'exploration. On est à 3,46. Ça va être lent, mais là je suis dans la partie un peu plus. J'ai envie de bouger. Est-ce qu'on a de nouveaux séquenceurs? Non. Je regarde s'il y a des choses que je pourrais construire et que j'ai oublié. Mais normalement je note tout à chaque fois. Et je crois que je note tout à chaque fois et que je fais ça. Et que je fais ça. Enfin, que je fais ça. En tout cas, je le fais. J'aimerais balader un extracteur de minerais aussi. Parce qu'il y a vraiment un endroit où il me faut de l'osmium ou de l'aluminium. Donc je pense que je vais en prendre de quoi en construire un avec moi. Et je vais placer de temps en temps. Parce que là actuellement, alors c'est parfait. Hein, mais il n'y a pas ce que je veux, quoi. C'est bien, on a du soufre et c'est cool d'en avoir mis. Et donc je vais prendre de quoi construire un extracteur de minerai et on va le déplacer et à un moment on trouvera bien un truc. L'extracteur de minerai, bah, il me faudra de l'osmium, donc il me faudra 3 osmium, 2 barres d'iridium et une tige de super alliage. Ça je vais me balader avec. 1, 2, voilà. Et on verra autour, on arrivera bien à construire un petit truc. Pour mettre une balise ou un... quelque chose comme ça. Partons un peu explorer. En mangeant avant. Et en regardant si on a tout, oxygène, ouais. On va manger ça. La courge, je pense, c'est 40%. Nice. Allez, let's go. On va être bien attentif là où il y a des lianes. Notamment dans les grottes. On va prendre de l'osmium ici, il m'en faut 3. Je pense qu'ici j'avais déjà tout prêt. Je crois que j'ai jamais vraiment été par là, si. Peut-être là, sinon c'est du cobalt, ça. Et si j'avais été par là? Je veux pas encore aller trop loin dans l'exploration. On va déjà explorer autour du lac. Ce qu'on connaît un petit peu, quoi. Ouais, mais en même temps, là, je me suis mis où? Ouais, je me suis mis... C'était là que je voulais aller. Et aller vers le... vers la balise orange.
passe dans l'eau, est-ce que je me dis si... Si tes premières traces de vie doivent apparaître, j'imagine que ça sera dans l'eau. Je dis ça comme si j'avais des... Ouais. Je connais pas grand-chose. On va passer là-bas. On va aller se ravitailler, se désaltérer. Ok, en plus, ici, il y a ça. Donc c'est cool. C'est vrai que je m'étais dit que je mettrais bien un récupérateur d'eau ici. Ça coûte cher ou pas? Ouais, non, il faut du bioplastique. Ça va être compliqué à faire. Ça, je prends. Pour le moment, je vais tout prendre. Je pense que je lâcherai l'aluminium et l'iridium et l'uranium si jamais je suis full à un certain moment, ce qui sera très certainement le cas. Attention. Quick. Non. J'ai récupéré au bon moment. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je prends tout. Presque tout. Et ici. On a une plante, mais qui ressemble à une plante, la plante Orema. 4450, c'est pas mal ça. Alors pour descendre, ça va, mais il faudrait trouver le moyen de monter, par exemple, de l'autre côté. Il me faut de l'osmium aussi, hein. Je suis venu là pour tester aussi les... Voilà, de l'osmium, on en a là. Je suis venu là aussi pour tester les... Le soufre, franchement, on peut éviter. Ça, j'ai pas besoin. Pour tester l'extracteur de minerai, faut pas l'oublier. Je vais juste aller prendre un... Un bain d'oxygène, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y avait une grotte pas loin en plus, il me semble. Nice. Bon, on va le manger celui-là. Il y a une partie de vaisseau là-bas aussi. Un coffre. Ouais, j'ai que des bons trucs hein, en gros. Ça c'est pas mal. De l'engrais aussi. L'iridium, ça serait cool de le trouver maintenant. Non, il commence à y avoir trop de trucs là. Il commence à y avoir trop de trucs. Je vais laisser les plantes pour le moment à 150. Re, Adibou. Re. Ouais, je vais même laisser les plantes à 400. Je dois pas aller explorer le vaisseau maintenant. Non, ouais. Si. Je sais pas. Ouais, ça, je veux bien prendre ici. Y a rien d'exceptionnel. Ah, c'est une puce, ça, par contre, ça, c'est... Ça, à la limite, la zéolite, maintenant, je... Sur un message, ici. Collecteur privé, ordre de mission, reconnaissance. Ouais, donc, les vaisseaux disparaissent, évidemment. Qui est plutôt logique. Difficile de pas se perdre dans les objectifs. Je vais aller déposer 2-3 bibelots dans l'avant-poste, là. Je sais que le niveau d'hydratation est bas. J'aimerais bien déposer un réacteur de minerai ici. Honnêtement, l'engrais, je pense que c'est pas grave. L'aluminium non plus.
Pour le moment, je vais laisser ça ici. Je vais prendre une bouteille d'eau. Et je sais plus où était cette grotte par contre. Je m'étais dit, ouais, faudrait que je fouille une grotte ici. J'ai un peu les yeux rivés en l'air là, mais. Je devrais plutôt avoir les yeux rivés sur le sol. Jolie plante encore ici. Orema, c'est aussi 450, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal, ouais. Je sais plus où était cette grotte avec plein d'indium. Il fait vraiment sombre en plus. Surtout ici, c'est pas le bon moment pour fouiller ici, je pense. Et il faut que j'arrive à sortir d'ici. Hein. Ouais. On va rentrer à la base. On va rentrer à la base. Je ferai mes tests ensuite avec les extracteurs de minerais plus facilement que dans cet endroit là. Donc je vais tout reprendre. Et si on croise autre chose, eh bien on se débrouillera, on fera avec ou sans. Je pense que le retour va être plutôt facile. Retour base, rangement. Toc, toc. J'ai des barres partout par contre, c'est pas possible. Je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là. Aluminium, ça fera du bien. Super alliage. On va voir faire quelque chose en lien avec le soufre par contre. On va trop en avoir. Moteur, on va en mettre un. Non, on va mettre ça là. Bref. Qu'est-ce qu'on a déverrouillé? Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Déconstruction T2. J'ai des notes partout. Mais la déconstruction T2. Il était temps. Parce qu'on peut. Hein. Et fusée de visualisation des drones. Ok. Je veux bien visualiser les drones, mais je n'en ai pas pour le moment. Ok. Prenons un peu de fer. Allons construire un casier pour le soufre. Hop, on peut le mettre là. Soufre. Là, dès qu'il y en a un peu trop, c'est fait. Je n'oublie pas complètement. Il me faut 2 d'osmium. Je vais repartir avec tout ça. Je vais juste mettre de côté ceci et ceci. L'anglais, c'est de l'autre côté. Le moteur de fusée aussi. Hop, on va aller visiter le giga vaisseau là. Ah oui. Il faut du radium alors. Ouais. Ah oui, oui, c'est dans des coffres, tu vas commencer par le trouver à Dibou. Oui. Par contre, on t'entend pas beaucoup dans la vidéo et ça peut être embêtant. Donc, il y a... Ok, le mec est relou. Ouais, par contre, l'indium. Donc là, ce que je pars faire, c'est essayer de voir où je peux poser. Ça donne pas du tout envie d'y aller, hein, par contre. Un extracteur de minerai. Est-ce que de l'osmium, je peux en trouver ici? Ça serait pas mal. Et limite, si je pouvais construire quelque chose ici.
Qu'est-ce qu'on peut trouver là? C'est de la glace ou pas? Non. Non, c'est pas de la glace. Par contre, de l'osmium. Si, si, c'est glacé ici, c'est gelé. Par contre, de l'osmium ici, je suis pas sûr qu'il y en ait. Et là, je suis où? Ah oui, je reviens en dessous de ma base. Ok, je fais des tours partout là. L'osmium, je pense. Peut-être à gauche. L'osmium, c'est le genre de minerai que j'ai croisé tellement. Et puis je me dis. Non, c'est bon, j'en ai. Et puis là-bas, non. Mais est-ce que là-bas, il n'y en avait pas? Juste qu'on m'explique un peu si construire de l'osmium ici peut avoir un quelconque intérêt. S'il n'a pas un petit cachet. Alors ici je pense pas. Oh là, c'est compliqué à trouver. C'est compliqué. Alors de l'aluminium, non. J'avais l'impression que c'était de l'aluminium. Mais l'aluminium, ça va. Enfin, j'en ai récupéré un peu. J'en ai un peu moins besoin. Sauf quand je dois faire du super alliage en vrai. Là-bas, il y avait peut-être des grottes. Ça va me permettre de réactiver la balise. Attention à l'oxygène. Ouais. Hop. Dans ces grottes-là, en dessous, là, je devrais trouver. Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Une larve. Ah. Utilisez-la dans l'incubateur pour créer de nouvelles espèces. Trouvez à l'extérieur lorsque le stade des insectes est atteint. Une larve commune. Incroyable. Alors, effectivement, première sensation aussi, c'est de dire je suis pas fan, effectivement. Je ne suis pas fan, je pense. Alors par contre, je sais pas pourquoi la balise ici... Quoi? Il y en a une qui vient de spawn devant moi. Larve rare? Ah bah, et elle vient... Ok, d'accord. Ok. Bon. Et moi, je suis toujours là à vouloir placer mon extracteur de minerai. Hein. Je commence effectivement à croiser des larves. Oh! Que se passe-t-il à Dibou? Un moteur de fusée. Incroyable. Pas d'osmium, j'aimerais bien. Sacrifice. Ah. Ouais, si je vois ce que c'est, je pense pas que j'aurais. C'est pas plus grand, c'est bizarre. T'as un gros vaisseau et t'as une petite zone, c'est marrant. Je ne dis rien. Je ne dis rien parce qu'il y a plusieurs vaisseaux en fait. Donc c'est ouais. Vrai que certaines zones sont petites. D'autres le sont moins. Ah, il faut du déconstructeur de technique. Ok, T2. Ça doit être pareil pour la porte là. Ouais, ok. Mais en fait, il faut du déconstructeur T2. Ouais, bah je l'ai là maintenant. Bon, écoutez, l'extracteur de minerai, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vois où il y a de l'osmium, il est beaucoup plus loin sur la carte. Pour le moment, je peux pas dire que j'en ai vraiment besoin. Et au fait, le fait d'avoir trouvé des insectes, enfin des larves d'insectes, je me dis, j'ai d'autres choses à faire là. Je suis pas en manque de minerais particulièrement, donc je vais rentrer à la base.
Je vais construire un bac pour les insectes. Un coffre. Et puis bon, on s'arrêtera là. Et on commencera la prochaine vidéo par le déconstructeur T2 dont je viens d'avoir le plan justement. Qu'est-ce que j'ai dû faire là? En voilà. Alors l'incubateur... J'en ai un d'incubateur? Je pense que j'en ai pas encore affiché les recettes ADN. Des pépites bioplastiques. Est-ce que j'ai des larves là-dedans ou pas? Je ne sais pas, tiens, une pluie d'astéroïdes, ça faisait longtemps. Pour le moment, les insectes, je vais les mettre... mettre ici. Les larves. Hop, larves. 1, 2. Et on va se laisser ici. Donc une vidéo où on aura découvert nos premières larves, c'est quand même important. On aura eu le filtre à air aussi. Et bon, on aura beaucoup bougé, découvert les arbres aussi et les quelques biomes en hauteur qu'on a pu découvrir. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Dibou d'être passé alors que l'autocrafter vient d'arriver. Bon, on découvrira ce que c'est plus tard. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir.